الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. Il y a dans les textes de l'islam une notion cardinale qui revient souvent. Cette notion s'appelle al-hidayah. Le mot n'a pas d'équivalence en arabe. On le traduit faute d'équivalent par la guidance. Le mot guidance, on ne le trouve pas souvent dans les dictionnaires, mais c'est une invention théologique parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc on va traduire l'hidayah par la guidance, c'est-à-dire le souci d'aller vers la lumière de la vérité, vers plus de rectitude et de droiture. Donc l'hidayah, c'est un cheminement, c'est une marche, c'est une quête en permanence. Cette notion a deux significations dans les textes. Là, je vous donne des clés de lecture pour pouvoir comprendre, quand vous passez sur un verset, de quelle guidance s'agit-il. Parfois, il s'agit d'une guidance pour connaître la vérité, une guidance cognitive, intellectuelle. Saisir intellectuellement par notre esprit ce qui est vrai. Et cette connaissance théorique, intellectuelle, comme activité de l'esprit, est elle-même sous, elle est de deux catégories, sous-catégories. Connaître Dieu, c'est la connaissance par excellence, c'est la gnose par excellence, hein, parce que tout parle de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, en réalité, tout parle de Dieu. Depuis les particules élémentaires, qui constitue la matière, jusqu'aux galaxies, en passant par les êtres vivants les plus complexes, notamment l'émergence de la conscience humaine, l'être humain. Inna fi dhalika la'ayat. Tout ceci est un déploiement de la sémantique divine. C'est une communication de Dieu à travers la création. Et donc la connaissance de Dieu est la première connaissance, en tout cas, théologiquement parlant, pour le musulman. Connaître Dieu, ses attributs, ses qualités. D'ailleurs, la plupart du Coran, le plus grand volume scripturaire est réservé à Dieu lui-même. Parce que c'est de lui dont il s'agit dans tout ça. Ce n'est pas de salat, de siyam, etc. Non, d'abord, le centre même, c'est connaître Dieu. Fa'alam annahu la ilaha, sache qu'il n'existe qu'un seul Dieu unique. C'est la connaissance par excellence. Donc cette guidance consiste à marcher vers cette connaissance de Dieu, par l'intellect, mais également par le cœur. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas uniquement une question mathématique ou physique ou rationnelle ou cérébrale. C'est une question également de sentiment. Le sentiment peut nous conduire à Dieu par le biais de l'i'tiqad, la croyance comme système épistémologique de la connaissance en général et la connaissance de Dieu en particulier. Connaître la prophétie, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passe après la mort, ce monde inaccessible à la simple raison qui nous est parvenu par la médiation de la prophétie, par la médiation de la révélation qui nous informe sur un monde imperceptible, alamul ghaib. Puisque Dieu fait partie d'Alam al-Ghaib. On peut dire que Dieu, il est en dehors de Alam al-Ghaib. Parce que le Ghaib aussi, ce sont des strates. Le Ghaib des djinns, ce n'est pas le Ghaib des anges du premier ciel. C'est des dimensions de la connaissance infinie. C'est pour cette raison qu'on dit que Dieu, il est infiniment compréhensible. Comment on peut dire que Dieu est infiniment incompréhensible? Comme vous voulez. Choisissez l'option, mais les deux mènent vers la perplexité qui justifie la foi. La perplexité, l'haïra, la perplexité devant la grandeur de Dieu justifie justement la foi. Quand on se prosterne, c'est un effondrement de l'intelligence devant le mystère de Dieu. Dans le catalyseur est la guidance, c'est-à-dire cette marche qui nous permet d'être le plus près
de Dieu. La prosternation, tu te rapproches. Ce n'est pas une distance physique, parce que quand on descend, on monte. Là, on n'est pas dans un repère orthonormé, X, Y, de la physique newtonienne. Là, on est dans une autre dimension. La dimension de l'esprit. Donc, ce qui est haut et bas par rapport au corps ne l'est pas forcément par rapport à l'esprit qui n'est pas localisé. Ruh n'est pas localisé. C'est pourquoi il a la capacité de sortir du corps pour atteindre une connaissance qui est à la fois rationnelle, mais également mystique. Donc la première guidance, c'est connaître Dieu. Et donc c'est une connaissance intellectuelle, mais également sensible. La deuxième sous-catégorie de la guidance intellectuelle, c'est connaître la volonté normative de Dieu. C'est-à-dire, comment communiquer avec Dieu. Une fois qu'on sait que Dieu est unique, que Dieu est infiniment bon, etc., comment entrer en communication avec lui? Par quel canal de communication entrer en connexion avec lui? C'est le domaine du culte. Cinq prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Il ne faut pas se tromper de numéro de téléphone, comme on dit. Il ne faut pas se tromper de moyens de communication. Et donc là, on a besoin de connaître la pratique de la charia dans son volet cultuel. Mais également, on a besoin de comprendre le bien et le mal. Même si, par la simple raison, on peut savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la révélation vient confirmer cette dimension de ce qu'on appelle « taqbih wa tahsin l'aqliyin », c'est-à-dire que la raison, elle est capable d'estimer ce qui est bien, ce qui est mauvais, sauf qu'il a besoin de l'aval, de l'approbation, de la confirmation de la raison. « Nour ala nour », la lumière de la révélation qui vient confirmer la lumière intérieure qui est en nous. C'est-à-dire l'aql, le fitra, pas l'aql de Descartes. Ce n'est pas la raison de Descartes ni de celle de Kant. Non, le fitra, c'est cette dimension intérieure qui nous permet de saisir, sans passer par une quelconque rationalité, la vérité des choses. Donc il y a connaître Dieu et connaître le vouloir normatif de Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais une fois qu'on a acquis relativement cette dimension de la guidance, et qui reste toujours inachevée, puisqu'elle est relative, il nous reste une autre guidance. C'est la guidance pratique. Si je sais que Dieu existe, qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est miséricordieux, si je sais que Dieu m'a demandé de faire les cinq prières, de faire le jeûne du mois de Ramadan, si je sais que Dieu m'a interdit de mentir, de faire ceci, de faire cela, comment accéder à la rectitude et à la conformité à son vouloir normatif, c'est-à-dire la charia? Parce que je peux savoir que je peux connaître ça, c'est haram. Ça, c'est la première guidance. Donc, je sais que la guidance intellectuelle, je sais ça la drogue, c'est haram, tromper les gens, c'est haram, commettre l'injustice à l'égard des innocents, c'est haram. Il n'y a pas de dérogation en la matière. Il peut y avoir une divergence sur furu' al-fiqh, sur les détails des lois canoniques, mais sur les valeurs moraux, il y a un consensus total chez les musulmans, mais également chez tous les humains. Puisque le prophète est venu pour parfaire la morale, pas pour inventer la morale. La morale existe avant le prophète, avant l'islam. L'islam, il est venu pour confirmer la générosité, la justice, la bienfaisance. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Dieu, il ordonne la justice et la bienfaisance. Mais le Coran n'a pas inventé la justice, puisque Dieu a créé en l'homme le sentiment de justice. Il a révélé ça à Moïse, à Noé. Et donc le Coran a confirmé ces valeurs-là. Une fois qu'on sait que ça c'est un bien, comment l'accomplir? On a besoin de la deuxième guidance, c'est-à-dire cette force, cette énergie qui nous permet d'aller pour accomplir le bien. La guidance intellectuelle, la guidance cognitive dans le domaine des croyances,
suppose l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel jusqu'à l'épuisement de l'énergie cognitive. L'ijtihad, c'est brûler les neurones, jusqu'à ce qu'on sent la chaleur envahir notre esprit, on cherche. C'est pas... Le jihad, c'est le simple effort. En matière intellectuelle, on doit accomplir le paroxysme de l'effort. Par contre, en matière morale, on fait le jihad. Là, il faut la onofsen, on fait le jihad. Mais l'ijtihad, parce que l'ijtihad, c'est-à-dire saisir le bien et le mal, il détermine l'action. Le coefficient du savoir du bien et du mal, il est très important. Si vous vous trompez du bien et du mal, à quoi ça sert un jihad moral? Parce qu'il y a des gens qui tuent au nom de Dieu. Ils se sont trompés de lecture. Quand on se trompe de lecture de la religion, on peut faire des crimes. C'est pour cette raison que la première guidance, elle est très importante. Connaître Dieu et connaître ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire une lecture orthodoxe. Qui est différente de l'hérésie. C'est-à-dire une lecture hétérodoxe. Donc, la première suppose un jihad intellectuel et suppose et exige une prière. Parce que par nous-mêmes et de nous-mêmes, nous sommes incapables d'accéder à la vérité de Dieu et à la vérité du vouloir de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu enseigne aux prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, de demander à Dieu d'accroître son savoir. « Wa qur rabbi zidni ilma » Donc, l'effort intellectuel et l'effort spirituel par l'adresse et l'orientation et les supplications et les prières. La prière peut changer notre vie, à condition que cette prière soit sincère et authentique. Quant à la guidance pratique, c'est-à-dire mettre en pratique ce que nous avons estimé comme juste, suppose un jihad moral, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا, ceux qui ont accompli l'effort moral dans notre voie, nous allons les guider. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, ceux qui ont su la vérité par guidance, on va les guider vers la pratique, وَزَادَهُمْ تَقْوَاهُمْ, il va augmenter leur piété. Donc on passe d'une guidance intellectuelle théorique à une guidance pratique. Mais les deux supposent un effort intellectuel et moral, et surtout, tendre sa main vers le ciel. Parce que tout nous vient de Dieu. Il n'y a pas de suffisance. Cette quête de la guidance et de la vérité suppose l'invocation de Dieu. Faire intervenir Dieu dans notre vie et dans notre quête de la vérité et dans notre pratique. Parce que par nous-mêmes, nous sommes faibles. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Donc il n'y a pas de suffisance dans la quête de la guidance. Au contraire, elle se fait dans l'humilité. Et l'humilité exige de rendre à César ce qui appartient à César et de rendre à Dieu ce qui lui appartient à Dieu. C'est Dieu qui guide. Il guide par la voie de la révélation, il guide par la voie des prophètes. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, ô prophète, tu guides. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. C'est-à-dire les ulama, ils guident. Mais en définitive, on revient à Dieu. C'est lui qui détient la source de la guidance. Puisque le prophète lui-même, il demande davantage de connaissances. Et pour la pratique, on a besoin de faire intervenir Dieu dans cette lutte contre notre faiblesse pour acquérir la rectitude, l'istiqama et les droitures. Nous comprenons dès lors pourquoi nous récitons la Fatiha dans chaque arkaat de chaque prière. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Nous ouvrons le Coran, nous ouvrons nos prières par le Fatiha. Tout le mystère tourne autour de cette prière qui est incrustée au cœur de la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in,
C'est une introduction qui appelle la présence de Dieu. C'est un appel à Dieu pour qu'il soit présent. Une fois qu'il est présent, tu soumets ta demande à lui. C'est quoi la demande? Il n'y a qu'une seule prière. Et il dit, non, c'est l'art al-mustaqim. Ce n'est pas donne-nous une maison, de la richesse, de la beauté, de la force, du pouvoir. Non, et il dit, non, c'est l'art al-mustaqim. C'est le cœur de la Fatiha qui est le cœur du Coran. Qui est entre une introduction et une conclusion. La conclusion, صراط الذين أنعمت. Ce chemin que nous implorons, c'est le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. C'est-à-dire être dans la guidance, pas dans la vérité totale. C'est d'être dans la marche vers la guidance. C'est ça qui est demandé, c'est de marcher, pas d'arriver. Tant que tu marches, tant que tu t'égares quelque peu et tu reviens à Sirat al-Mustaqim, tu es dans Sirat al-Mustaqim. C'est pour cette raison que Ibrahim est appelé le Hanif, le monothéiste pur, tout simplement parce qu'il a tendance tout le temps à s'incliner vers le droit chemin. Parce que l'entropie anthropologique, existentielle, fait que nous nous éloignons du droit chemin. Nous avons tendance à sortir de l'orbite qui gravite autour de la Kaaba, autour de l'unicité de Dieu, où nous avons besoin de nous resituer. La guidance, c'est la force qui nous rappelle à continuer, à gagner, à regagner le chemin et à continuer la marche. Il n'est pas demandé la faillibilité. Dieu ne demande pas l'impeccabilité, la faillibilité. Ce qu'il demande, c'est la prise de conscience de la notion de l'égarement pour la rectifier par la guidance et de continuer la marche. « Ihdina as-sirat al-mustaqim » Guide-nous vers le droit chemin, celui dont tu as comblé de bienfaits, pas celui qui a suscité ta colère, ni ceux qui se sont égarés. Ceux qui ont suscité la colère de Dieu, ce sont les gens qui savent ce qui est Dieu et qui savent ce que Dieu veut, mais n'ont pas voulu le suivre. Il leur manque la guidance pratique. Ils ont refusé d'accepter la guidance pratique, c'est-à-dire se conformer à la rectitude qui est une conséquence de la croyance en l'unicité de Dieu et sa charia. Dallin, les égarés, ceux qui sont dans l'errance, ce sont des gens qui n'ont pu atteindre la guidance intellectuelle, se sont trompés de Dieu, se sont trompés de charia, etc. Et donc la guidance suppose être connaissant de la vérité, relative bien sûr, mais qui est capable d'y accéder en matière de pratique. Nassal Allah Azza wa Jalla an ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallina fi man tawallayt. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين